Salut tout le monde, c'est Camille pour un nouvel épisode. Nous sommes sur Dishonored 2. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Est-ce qu'on peut passer par là? Bon, là il doit y avoir une 5. 5. 14 mètres. Oui, pardon, je suis fatigué évidemment. Bon, ça servait pas spécialement à grand chose, on a juste récupéré un truc. Bah, je n'y attendais pas à te voir là, toi. Bonjour. Bonjour. Passage secret, est-ce que... C'est pas le passage secret. Mais quelle idée! Oh non, non, non! Ah si. Hein? Que. Quoi? C'est impossible! Non, 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 pas ça! Et j'ai oublié, j'ai perdu ta pote, mais c'est pas grave. Pas une petite carte pour moi là ou un truc comme ça? Bon, tant pis. Là, on a la clé. C'est sûrement la chambre forte du duc. Récupérer l'esprit de Delila. Non! La machine tourne à vitesse réduite. Voilà, pourquoi je dis non? Vous savez pourquoi, hein? Putain de robot. 17 balles. Ça fabriquait cet objet pour recueillir les... Oh la vache, on est passé. L'heure est venue, libère-moi de cette mort suspendue, de ce monde empoisonné. Emprisonne Delila à ma place. Je ne peux pas faire ça. Tu es tout ce qui compte pour moi. Laisse-moi m'en aller. J'en ai déjà trop vu. Tu as du sang sur les mains. Je l'ai fait pour toi. Pour garder ton trône. Perpétuer ta mémoire. Mon enfant, tu es devenu l'exact opposé de tout ce que je voulais défendre. Je t'aime, mais tu dois me laisser partir. C'est fait. Je vais pouvoir ramener l'âme de Delila. De Delila la maintenait sans doute en un seul morceau. Oh putain, j'ai eu trop peur. Oh, ça a pété, c'est bon. Pose de baleine. Vos vieilles cicatrices vous démangent, Duc Abel. C'est quoi ça?
peux plus revenir dans le temps. Bon. On va garder juste ça pour l'instant. Oh oui. Oh oui. On prend tout. On se sert goulûment, généreusement. Bon, c'est que de la thune, mais j'ai l'impression que je vois rien d'autre. Ok, donc là on a fait un tour, on va pouvoir remonter les escaliers ou pas? Où est-ce qu'il y a une descente? Un petit peu de thune. Ah, 10 pièces, on est tout pris d'un coup, c'est cool. Alors le passage secret, toujours pas trouvé. Hein. Quai privé. Sauvegarde. Oh. Oh oui. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Qu'à attendre? Ah, oui, viens là, viens, viens. Il y a un corps dans l'eau. Bon, on va attendre pas longtemps, de toute façon. Oh putain, me voilà soulagé, quoi. Allez, non, faut que j'aille quand même jusque là-bas. Ouais, ça va, on nage quand même assez vite. Mégane. Alors, ça y est, c'est la chute de Karnaca. Le duc Abel est mort. Longue vie à celui qui prendra sa suite. Retournons sur le Dreadful Whale et mettons le cap sur Dunwall. Oui, ça y est enfin. Je vais pouvoir remonter sur le trône et chercher un moyen de sauver mon père. On peut y aller? Nous pouvons y aller. Ramène-moi au bain. Partons. Très bien. Comme vous voudrez. Alors, civil tué 17. Voilà, on n'a pas fait dans la demi-mesure. Ennemi tué 42, ce qui fait au total 59 victimes. On a détecté 23... Oh, corps détecté 23 et on était détecté 39 fois. Zéro alarme, évidemment, parce qu'on est mort quand il y a eu les alarmes de déclencher. On a été grave mauvais. Ouais, vraiment, vraiment mauvais, là. Une seule rune, zéro hôtel, 4 sur 7 charme, quand même. Pas de tableau, pas de schéma, quoi. Oh là là. Vous avez retiré la gazelle cassée de la chambre forte de... Ok. Ah. Il est 1h23. Pardon, je commence à y claquer. Il nous reste 10 minutes d'épisode. Ma vie a basculé quand un certain Dode a assassiné ma mère sous mes yeux. Aujourd'hui, je reviens chez moi avec la même intention que lui. C'est donc ça qu'il a ressenti en préparant son approche, en se demandant ce que ça faisait de tuer une impératrice. Je ne sais pas ce que tu prépares maintenant, Delilah. Mais tu as du mérite d'avoir réussi à t'emparer de mon trône. Tu savais qui corrompre parmi ma suite. Et tu m'as privé de mon allié le plus puissant. Mon père. Mais tu ne me connaissais pas. Tu pensais que je n'étais qu'une petite princesse inoffensive, incapable de rendre les coups. Tu vas bientôt voir mon vrai visage, Delilah. Oui. Ah, la pile. Ah, j'ai plus de pile dans mes lampes, pardon. Oui, si je précise pas. Bon, on est dans, normalement, pièce principale. Véritable exploit. Ils ont paré ainsi du trône malgré et sa basse extraction. Bon, j'ai pas d'autre accès. Putain, du déballage. Alors, allons vers la pièce principale. Quoi qu'il arrive, le problème du duc est réglé. Et il faut s'en réjouir. Oui. Maudit despote aviné. Ah, j'en ai pas.
Allez, je t'écoute. Quand tu veux, par contre, mon grand. Maintenant que vous êtes là, j'imagine que vous savez quoi faire et où aller. Vous avez tué tellement de gens. Vous avez l'habitude. Si quelqu'un mérite la mort, c'est Delilah. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. À mon âge, le mot « mériter » ne veut plus dire grand-chose. Je vous l'ai dit, je l'ai connue il y a longtemps. Souffrant d'une blessure profonde, mais pleine de ressources. Et prête à tout pour s'extraire de sa condition. Elle avait surtout cette capacité étonnante à imaginer un monde meilleur. Si seulement elle avait pu mettre cela au service d'une cause plus juste. C'est un petit peu tard pour exprimer des regrets. Tout le monde a des regrets. Le plus grand pour moi aujourd'hui est de ne plus avoir suffisamment de temps. Faites attention à vous. Au revoir, Anton. Alors, est-ce que tu peux nous ouvrir la porte ? Vous êtes là. Megan, vous êtes en dehors, sur le quai. Elle avait l'air évasive, plus que d'habitude. Bon, c'est toujours fermé. Clé de la cabine de Megan. Donc, est-ce qu'on peut choper ça? Voilà, on a refait un pas complet. On prend de l'écaille. On est full. Alors, il faut... On va essayer de se promener un petit peu dans le bâtiment là. Oh oui. Bah voilà, déjà rien que ça quoi. Rien que ça, je suis grave content. Alors les pièces, par contre, j'ai toujours pas compris. Bah pourquoi on. Un coup, 3 morts, 4 morts. Ok. Pourquoi on attend une pièce? Pardon. Ah, donc là, c'est chez nous. Oh, oui, on se remet bien. Adieu, Kanaka. 12e jour. 24e jour, la vache. Allez, écrivons des notes. Voilà, ça me va. C'était juste histoire de... Ah, je m'attendais à un petit secret en fait là, derrière la porte. Mais non, on va laisser ouvert pour dire qu'on est passé. Ça c'est chez nous. On va grimper. Vous pouvez ne jamais remettre les pieds ici. Ok, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment fouillé ce bateau. Oh, pardon. Oh oui. Je me demande ce qui trotte dans la tête de Delilah. Elle doit savoir ce qui s'est passé à Karnaka. Lecture de Billy. C'est par là qu'on est monté. Et on va aller sur le pont. Ah, il nous faut la clé. Est-ce que c'est toi qui as la clé? Faire les poches. T'es sérieux? C'est si facile que ça. Pardon. Ah, grattage. Ça me grattait le nez. Je ne sais pas quel jour on est et ça n'a pas vraiment d'importance. Bon. Comme d'hab, hein, si vous voulez lire pause, vous connaissez maintenant. Éventail nacré. Je te vole.
Enfin, ouais. Alors, posséder. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est créer charme d'os. Tiens, retour. Pouvoir. Ça. Ça fait quoi? Utiliser un même trait au maximum de 4 fois. Aucun risque de corruption et charme. Il en a combien? Ah ouais. Et là, vous pouvez créer des runes consommant un grand nombre d'os de baleines brutes. Ou sacrifier des runes existence pour récupérer des os. C'est quoi ça? Ouais, celui-là me plaît. Léger risque. Allez, il nous manque juste un, mais c'est pas grave. Léger risque, on va prendre. Du coup, charme d'os, on va créer. On va créer du 4 traits. Eh ben non, on va sacrifier. Sacrifier les charmes. Ah ouais, mais on doit en sacrifier pas mal. On a créé des 4, 3, 4 et 4. Alors, la chute... Assassine. Non, on fait jamais ça. Oula, annulé. On va essayer d'être un peu... Les élixirs et mana ont des chances de restaurer tout votre mana. Ouais. Les grenades... Les ennemis lâchent parfois des grenades et projectiles, ça peut être pas mal. Ouais, mais ça... Les grenades ennemies mettent un peu plus de temps à exploser. Tuer des rats ou des mouches de sang fait gagner du mana. Oh. Oh bah oui. Lorsque vous tombez de haut, vous produisez une onde de choc à l'atterrissage qui touche tous les ennemis et objets proches. Et augmentation de mana. Allez. On avait quoi? Les élixirs ont une chance de restaurer tout le mana. Et vision des ténèbres, on l'utilise pas. Vous recevez sensiblement moins de dégâts. Ouais, mais non. La chute assassine restaure du mana. Ouais. Les ennemis lâchent parfois des grenades. Parfois, allez. Voilà. Maintenant, on va... Ah non, on peut faire que 4, que 3. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, les ennemis... Non. Tuer les ennemis, ça fait gagner du mana. Ouais. Et les rats. Des rats, sans déconner. Ensuite, les ennemis lâchent parfois des grenades. Oui, les élixirs de mana ont une chance de restonner tout le mana. Ouais. Les ennemis lâchent parfois des grenades. Alors. Annuler, oui. Je voudrais juste voir quelle rune on a. Ah bah c'est bon, on a une place. C'est parfait. Pourquoi on peut pas? Parce qu'il nous faut... On a que 3 traits. On a que 3 traits. Donc on va en mettre un. Votre santé régénère. Se régénère quand vision des ténèbres est active. Non. Lorsque vous tombez de haut. Celui-là est un peu intéressant. Les chutes assassines. Bon, allez, on va mettre les chutes assassines. Voilà. Alors, les chutes assassines, vas-y, on va mettre ça. Les ennemis. Alors, tuer évidemment des rats. Et enfin, la dernière normalement, les... Pardon. Allez. Allez, c'est bon. Allez, allez, risque faible. Yes. Donc, qu'avons-nous maintenant? Là, on a une rune en plus. On a créé. Alors, juste celle-là. Augmente la zone d'effet des mines. Votre mouvement sont plus rapides si vous êtes... Ok. Et plus de rats blancs. Et donc, on peut mettre à la place... Ok, c'est pas grave, on est bien déjà. Ouais. Moi, c'est combien de temps? C'est par là-bas. Bah, 0 secondes, génial. On va quand même parler à... Elle est partie.
Elle est partie. Ah, on l'a volée et elle est partie. Bon. Je pense qu'on est sur la fin. Il nous reste très peu d'épisodes. Oui. Quelle heure il est? 1h35, ouais. Chaos élevé. Sérieux. On a que du chaos élevé. On en a combien d'heures de jeu? 12h43. Putain, difficulté normale. C'est vraiment difficile. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour la suite. Allez, ciao tout le monde. Ouss.